Compte tenu de sa position géographique stratégique, l'Algérie est considérée comme un producteur et un fournisseur incontournable de gaz naturel. L'Algérie, qui compte parmi les producteurs et fournisseurs mondiaux les plus sollicités, détient une position privilégiée. Elle dispose d'innombrables atouts qui sont mis, grâce à la clairvoyance et à la vision à long terme de ses gouvernants, au service d'une stratégie qui lui permet de s'imposer comme un partenaire de choix sur l'échiquier énergétique mondial. Dans le cadre de son redéploiement international, et notamment en Europe, la compagnie nationale Sonatrach se fixe comme objectif de s'impliquer dans tous les segments de l'industrie des hydrocarbures des pays partenaires. Trois nouveaux grands projets de transport de gaz naturel par canalisation à l'international font l'objet d'une attention particulière de la part des plus hautes autorités algériennes. Il s'agit du Medgaz, du Galsi et du TSGP. Ces projets qui s'inscrivent dans la perspective du large programme de développement initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika ont pour objectif la promotion d'un partenariat algéro-européen fructueux. L'envergure de ces projets est telle que seule une volonté commune au sommet des États a permis à ces projets de voir le jour. C'est aux deux chefs d'État Abdelaziz Bouteflika et Olusegun Obasanjo que revient le mérite d'avoir consacré le TSGP comme projet structurant pour le continent africain. Ce méga-projet s'inscrit dans l'esprit de la nouvelle initiative pour le développement durable en Afrique, le NEPAD. Interconnecté au réseau de transport de gaz algérien, le gazoduc TSGP contribuera de manière appréciable à l'approvisionnement gazier de l'Europe. Il aura des effets socio-économiques importants dans les pays de transit, tout en contribuant à la protection de l'environnement grâce à l'élimination des gaz torchés. D'une longueur totale de plus de 4000 km, le TSGP alimentera le vieux continent à partir de 2015. La visite du président de la République Abdelaziz Bouteflika en Italie, le 14 novembre 2007, qui rentre dans le cadre du traité algéro-italien d'amitié, de bon voisinage et de coopération, a été l'occasion pour la signature entre les deux pays de l'accord intergouvernemental Galsi. Cet accord porte entre autres sur la concrétisation du projet de gazoduc Galsi. Le gazoduc Medgaz, quant à lui, vise à augmenter les exportations gazières algériennes, à sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel et à satisfaire l'accroissement de la demande européenne pour cette énergie. Le gazoduc Medgaz est une canalisation d'un diamètre de 24 pouces de transport de gaz naturel qui traversera la mer Méditerranée et unira l'Algérie à l'Europe via l'Espagne. D'une longueur totale de 210 km, sur une profondeur de 2160 m et d'une capacité de transport de 8 milliards de mètres cubes par an, le Medgaz reliera Benissaf sur la côte algérienne à Almeria sur la côte espagnole et sera alimenté depuis le Centre National de Dispatching Gaz de Hassermel. Reçu à Alger par le président Bouteflika le 13 décembre 2006, le Premier ministre espagnol José Luis Zapatero a réitéré l'intérêt de son pays pour le gaz algérien et souligné l'importance du projet Medgaz. Tout comme il a confirmé la volonté de son pays à promouvoir la coopération avec l'Algérie, notamment dans le domaine énergétique. L'Algérie est connue et je pense qu'elle restera être connue comme un pays fournisseur de gaz fiable. L'Algérie est un fournisseur très important en Europe, après la Russie et la Norvège, et encore plus important fournisseur dans les pays sud-européens. Donc dans l'avenir, les exportations de gaz de l'Algérie vont augmenter de 50%. Par rapport à ce que nous exportons aujourd'hui. Et ceci vers 2012-2013. Et donc l'Algérie va avoir un rôle encore plus important à ce moment-là. Et notre ambition, c'est de diversifier nos clients et aussi de participer plus en aval dans les industries consommatrices de gaz, dans les pays consommateurs. Et donc le Medgaz vient à point l'année prochaine, vers la fin de l'année prochaine, pour livrer à peu près 10% de nos exportations de gaz vers l'Europe. Donc le projet Medgaz est un projet très très important. Il est encore plus important pour l'Espagne, puisqu'il constituera probablement, je dirais, 10% de la consommation en Espagne. Donc c'est un projet très très important.
rappel, c'est en 2003 que le Medgaz a été approuvé par la Commission européenne comme projet d'intérêt commun dans les réseaux transeuropéens du secteur de l'énergie. Tout comme il a été retenu dans le programme Quick Start, mise en service immédiate de la Commission européenne. La longueur du gazoduc sera plus de 210 km. Le plus important dans ce projet, c'est la profondeur qui est de 2150 mètres de profondeur. C'est un défi technologique, mais heureusement qu'il vient être réalisé ce défi par la pose de ce gazoduc qui vient de se terminer le 20 décembre 2008. Des campagnes d'études très poussées ont été menées afin de choisir le meilleur tracé sous-marin pour le Medgaz. C'est la plage de Sidi Djelloul, dans la commune de Bnissaf, wilaya de Ain Timouchent, qui a été choisie pour servir de terminal départ du gazoduc Medgaz. Les travaux de pose de la canalisation sous-marine et de construction des installations qui composent le système de transport ont démarré fin 2007. L'opération de pose de la canalisation sous-marine, longue de 210 km, se déroule en deux phases. En zone peu profonde, allant jusqu'à 550 mètres, et profonde, allant jusqu'à 2160 mètres. Le tirage des tubes en acier à partir du bateau spécialisé, Castor Osei, a nécessité la fermeture et l'aménagement de la plage de Sidi Djelloul. Un balai incessant de pelleteuses et de camions de gros tonnage s'y déroule nuit et jour. L'opération de tirage du gazoduc à l'aide d'un treuil, à partir de la plage, a nécessité un aménagement spécifique. Une tranchée sous-marine a été également creusée. Elle recevra le gazoduc qui sera ensuite recouvert d'une couche de gravier afin de prévenir tout incident. L'opération de pose est supervisée par des plongeurs professionnels. Une grande technicité ainsi qu'une grande précision, doublée d'une coordination sans faille entre les différents intervenants, sont requises pour ce type d'opération. Le navire Castor Osei, véritable bateau-usine, est chargé de la soudure des tubes à bord et de la pose du gazoduc sous-marin en eau peu profonde. Les navires alimentent constamment le mastodonte en matériel divers et en tubes dont l'unité pèse jusqu'à 6 tonnes et la longueur atteint les 12 mètres. L'assemblage des tubes se déroule en position horizontale. Durant cette phase, le bateau Castor Osei avance au fur et à mesure des opérations de soudure à bord et de la pose de la canalisation dans une tranchée sous-marine. La canalisation prend, lors de sa pose, la forme de la lettre S. Une fois cette opération terminée, un bouchon est mis sur le gazoduc qui sera déposé à une profondeur de 20 mètres. Il sera ultérieurement connecté à la canalisation terrestre en provenance de Hasserman. Contrairement au Castor Osei, le navire Saipem 7000 est en charge de la soudure à bord et de la pose de la canalisation en eau profonde allant jusqu'à 2160 mètres. L'opération de soudure se fait en position verticale. Les tubes sont soudés par tranches de 4 tubes. La canalisation est déposée au fond de la mer en prenant la forme de la lettre J. Soucieux du bon déroulement des opérations de pose en haute mer, le ministre de l'Énergie et des Mines, le Dr Chaki Prelil, a effectué une visite à bord du bateau équipé avec les dernières technologies, notamment en matière de positionnement par satellite. Plus de 300 personnes y travaillent jour et nuit. Le gazoduc Medgaz aboutira sur la plage de Perdigal à Almeria, dans le sud de l'Espagne. Le terminal réception est en construction. Ce chantier englobe la construction des bâtiments qui abriteront la salle de contrôle et ses annexes. Le CCR, Central Control Room, situé sur le port d'Almeria, permettra d'assurer un flux continu et régulier de gaz. Les opérations d'acheminement du gaz naturel à partir de Bnissaf pourront ainsi être observées et examinées via le CCR.
Côté algérien, les travaux de construction de la station de compression du terminal départ de Benissaf sont à un stade avancé. Plateformes destinées à recevoir les turbocompresseurs de dernière génération ainsi que les aéro-refroidisseurs ont nécessité des tonnes de fer et de béton et autant de savoir-faire. La complexité d'un tel projet requiert une grande maîtrise technique. Située sur la colline surplombant la plage de Sidi Djelloul, cette station de compression boostera 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel jusqu'au terminal arrivé à Almeria en Espagne. Elle est constituée essentiellement de trois turbocompresseurs, de trois rampes d'aéro-réfrigérants pour le refroidissement du gaz après sa compression, de deux turbogénérateurs pour la production d'électricité, d'une station de contrôle ainsi qu'un système de détection et de lutte contre le feu. La station reçoit le gaz à une pression de 45 bars au terminal arrivé du gazoduc GZ4, pour ensuite le comprimer à une pression operating pressure pouvant aller jusqu'à 220 bars. Pour pouvoir l'évacuer dans des conditions optimales via la canalisation sous-marine. Les opérations au niveau de la station de compression de Medgaz, elles sont organisées de la sorte d'avoir deux machines de compression en fonctionnement et une machine de stand-by qui serait utilisée comme machine, une turbine de secours. Étant donné que la pression c'est des pressions élevées, il se passe en deux sections. Il y a une section low pressure, c'est basse pression, pour comprimer du gaz de la pression d'arrivée, comme je l'ai dit auparavant, de la pression de 45 bars vers une pression moyenne, aux environs d'une centaine de bars. Et le deuxième cycle, pour deuxième train de compression, pour le comprimer à la pression d'expédition de 200 bars dans la section compression HP. Évidemment, bien sûr, entre les deux cycles de compression, il y a des refroidisseurs de gaz qui sont prévus à cet effet. Le savoir-faire et la haute technicité des ingénieurs de l'activité transport par canalisation de Sonatrach, capitalisés lors de l'exécution de différents projets, ont contribué de manière décisive dans l'intégration de ces compétences dans le projet Medgaz. Ce projet nécessite en effet une expertise avérée et une grande maîtrise technique, deux exigences auxquelles répond parfaitement le panel des compétences détachées par Sonatrach TRC sur ce projet. Depuis les années 80, Sonatrach, à travers l'activité transport par canalisation, a engagé des projets à l'international, à savoir le gazoduc Rico Mattei, donc qui relie les champs de Hassermel à l'Italie, à travers la Tunisie, et qui a été mis en service en 1983. Par la suite, le gazoduc Pedro Duran Farel qui achemine le gaz des champs de Hassermel jusqu'en Espagne à travers le Maroc. Ces deux gazoducs internationaux donc, ont permis au personnel de l'activité transport par canalisation de Sonatrach d'acquérir donc, une expérience et de capitaliser un savoir-faire qui lui permet aujourd'hui d'attaquer ou d'engager des projets ou des gazoducs notamment de cette envergure. De par donc cette expérience capitalisée, il y a plus de 18 cadres de l'activité transport par canalisation qui ont participé à la réalisation de ce projet en tant que manager, en tant donc que cadre d'exploitation et cadre de la maintenance. L'utilisation de la ressource humaine qualifiée de Sonatrach, nous avons déjà commencé à le faire à travers l'affectation d'ingénieurs, de managers au niveau de Medgaz qui sont là-bas en train de, dans le cadre de la société, de procéder au développement et à la réalisation de ce grand ouvrage et plus tard à l'exploitation de cet ouvrage. Cette même approche sera utilisée pour le Galci aussi, qui est en stade actuellement d'autorisation pour sa construction, oui, très probablement pour le troisième projet, le Transsaharian Gas Pipeline. Medgaz, projet de portée intercontinentale, s'inscrit dans le pur respect de l'environnement et de la sécurité industrielle. Les normes qui régissent le domaine HSE ont été minutieusement observées tout au long de la construction des ouvrages. Tous les rapports d'expertise réalisés ont conclu que le tracé sélectionné par la société Medgaz, depuis Benissaf jusqu'à Almeria, en Espagne, présente les conditions de sécurité optimales requises.
que cela soit en termes de protection de la faune et de la flore marine, que celui se rapportant à la viabilité de l'ouvrage. Nous avons fait des études très poussées pour prendre en charge tout le volet environnemental. Nous avons filmé, nous avons fait des photos sous-marines pour remettre en l'état, que ce soit la colline, que ce soit les sols, tout sera mis en place tel que c'est. Pour vous donner un exemple, au niveau de la base de vie provisoire, nous avons enlevé la terre végétale pour bâtir la base de vie. Nous l'avons stockée. Une fois les travaux achevés, nous remettons en place la terre végétale et la terre deviendra comme avant. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khalil, supervise le projet et veille pour qu'il soit livré dans les délais et selon les exigences requises. Il effectue des visites de travail et d'inspection périodiques sur le terrain où des explications et des comptes rendus lui sont fournis par les cadres en charge de ce projet. Le MED GZ4, le gazoduc long de plus de 600 km en provenance de Hassermel, outre le MED Gaz, alimentera également des installations telles que les complexes GNL d'Arzeux, l'usine de dessalement de l'eau de mer de Terga et le complexe aluminium de Bnissaf. Des ouvrages qui contribueront au développement de toute la région et offriront de grandes opportunités d'emploi. La construction du gazoduc GZ4, qui alimentera le MedGaz depuis le Centre National de Dispatching Gaz de Hassermel, est une canalisation d'un diamètre de 48 pouces et d'une longueur de 600 km. Le GZ4 traversera 6 wilayas. Il a été scindé en 3 phases. La phase 1, Hassermel-Sougueur, est longue de 302 km. La deuxième phase, Sougueur-Mohammadiyah, s'étale sur une distance de 200 km. La troisième phase, Mohammadiyah Bnissaf, est quant à elle longue de 122 km. Le gazoduc GZ4 renforcera le dense réseau de transport par canalisation de son attrac, qui couvre le territoire algérien sur plus de 16 000 km entre oléoduc et gazoduc. Forte de son expérience de transporteur d'hydrocarbures et du développement rapide que connaît le secteur, son attrac a entamé le processus d'internationalisation de ses activités. Cette dynamique de développement, dans laquelle Sonatrac s'est résolument engagé, exige des efforts colossaux afin de réhabiliter et de développer le réseau de transport des hydrocarbures et accélérer l'internationalisation du groupe. Nous sommes en train de développer en partenariat. Le premier, c'est le MedGaz, partenariat avec des sociétés espagnoles et françaises. Le Galti, avec les entreprises italiennes, et le Transsaharian Gas Pipeline qui est en cours d'étude. Bien sûr, la participation de Sonatrach est importante. Dans le même gaz, elle est de 36%. Dans le Galti, elle est plus de 40%, près de 42%. Et dans la Transsaharian, il n'est pas encore déterminé, nous sommes en train de le développer. Et ceci rentre dans le cadre de la développement des activités de Sonatrach, mais aussi de la participation de Sonatrach dans la valorisation de ses produits, tels que les gazoducs, donc le transport de gaz, la valorisation du gaz et la présence de Sonatrach sur le marché gazier européen en particulier, puisque ça relie directement l'Algérie à l'Europe. L'Algérie est un grand fournisseur de gaz naturel. Ses réserves prouvées sont estimées à 4500 milliards de mètres cubes. Au vu de la croissante demande de l'Union européenne, les objectifs d'exportation de l'Algérie concernant cette source d'énergie à l'horizon 2020 ont été fixés à 100 milliards de mètres cubes. Grâce à ce projet, l'Algérie se place en pole position en matière de sécurisation énergétique d'une partie appréciable du vieux continent. La première fois, on les avait exposés lors de la conférence des ministres de l'énergie euro-méditerranéen à Rome, je pense que c'était en 2003, où le projet donc MedGaz et le projet Galci avaient été donc approuvés comme des projets prioritaires pour l'Union européenne. Maintenant, le projet
Medgaz va apporter 8 milliards de mètres cubes en 2009. Donc nous allons commencer à exporter 8 milliards de mètres cubes vers l'Espagne. Et le projet Galci, vers 2012-2013, nous allons exporter 8 milliards de mètres cubes aussi additionnels sur le marché italien en passant par la Sardaigne. Parce que comme vous savez, nous sommes en train d'étendre la capacité du gazoduc existant entre l'Algérie et l'Italie. Actuellement, cette année, nous allons l'augmenter de presque 8 milliards de mètres cubes. Donc c'est déjà opérationnel. Et donc, si vous comptez les trois projets, le Medgaz, le Galci et l'expansion du gazoduc vers l'Italie, nous avons une augmentation d'à peu près 23-24 milliards de mètres cubes dans les 5 années qui viennent. Ceci sans compter le gazoduc transsaharien qui lui viendra beaucoup plus tard, probablement vers 2015, ce qui est prévu et qui est d'abord soumis donc, aux accords entre le Nigeria et l'Algérie. La construction du gazoduc Medgaz vise à augmenter les exportations gazières algériennes, à sécuriser l'approvisionnement d'un nombre appréciable de pays de l'Union européenne en gaz naturel et à satisfaire la demande en constante croissance de cette énergie sur le vieux continent. Il contribue également à accélérer l'internationalisation du groupe Sonatrach à travers la commercialisation directe du gaz naturel algérien en Europe. Medgaz, au même titre que les futurs gazoducs TSGP et Galci, inscrit l'Algérie dans une dynamique de développement continental. Tout comme il garantit le financement d'une grande partie des ambitieux programmes de développement national décidés par les plus hautes autorités du pays.